Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici Jonathan le saxophoniste, auteur du blog court-saxophone.com. Tu peux aller faire un tour si tu veux lire mes articles. Donc alors les gars, aujourd'hui j'espère que vous allez bien les gars. Hein, j'espère que vous avez travaillé vos gammes, hein, ça fait un moment hein, les gars. Là, je sais que c'est les vacances, là c'est la période des vacances au moment où je fais cette vidéo. Non mais j'avoue les vacances les gars, posez-vous un peu. Pas de problème, vous allez reprendre le saxo après, c'est le faux. J'ai quand même soufflé de temps en temps, quand même. Soufflé un peu de temps en temps. Bon, bref. Revenons au sujet de la vidéo. Alors, le sujet de la vidéo, ça va être une vidéo rapide, courte, hein, mais comme j'ai beaucoup de fois la même question, jusqu'à quel âge je peux jouer au saxophone? Alors, au début, je trouvais cette question-là curieuse, mais comme j'ai vu qu'elle revenait souvent, je me suis dit, bon, bah, je vais carrément faire une vidéo. Comme ça, ça évitera aux gens de me reposer la même question à chaque fois. Et je le redirigerai sur cette vidéo. Donc, jusqu'à quel âge tu peux jouer du saxophone? Eh bien, j'ai envie de te dire, il n'y a pas d'âge. C'est-à-dire, tant que tu es vivant, d'accord, tu peux jouer au saxophone. Parce que je pense que les gens ils se font des idées sur le fait que, ouais, il faut beaucoup de souffle et tout, nanani, peut-être ça va me fatiguer. Bah non, en fait, une fois que tu as la technique pour bien souffler, enfin, il n'y a aucun souci. D'accord? Donc, que tu aies 60 ans, 70 ans, 80 ans, d'accord, tu peux jouer au saxophone. Et tu peux même commencer à cet âge-là. Je veux dire, commence quoi. Parce que n'attends pas d'être sur ton lit de mort et te dire, ah, c'est dommage, j'aurais bien voulu faire du saxophone, c'est dommage que je n'ai pas fait, nanani. Si tu as envie de faire du saxophone, fais du saxophone, quel que soit ton âge. D'accord? Ok, j'espère que tu as bien retenu. Ça, c'est des excuses, ça. Le fait de dire, ouais, je suis trop vieux pour jouer au saxophone, c'est faux. Tu kiffes cet instrument, tu as envie de jouer de cet instrument, eh bien, tu joues, c'est tout. Il n'y a aucun problème, tu ne vas pas rencontrer de difficultés. Sauf contre avis médical, tu vois. Mais bon, je ne vois pas, j'ai jamais entendu quelqu'un qui a un avis médical disant, ouais, non, toi, tu ne peux pas jouer au saxophone. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu ne peux pas jouer au saxophone. Ok? Donc maintenant, plus d'excuses maintenant. Hein, tu sais que tu peux jouer au saxophone quel que soit ton âge. Si tu es vivant, tu es en bonne santé, d'accord? En bonne santé, je veux dire, même si tu as un diabète, tu peux jouer au saxophone, tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, tant que tu peux respirer, tu souffles, enfin voilà, il n'y a aucun souci. Ok, bon, j'arrête de parler parce qu'il y en a des fois qui disent que je parle trop. Ok, donc maintenant, plus d'excuses. Ok, tu veux jouer au saxophone, tu commences direct. Ok, donc n'oublie pas de t'abonner, d'accord, si ce n'est pas encore fait. Hein, normalement, je pense que tu l'as déjà fait. Il y a des vidéos juste en dessous gratuites. Donc, j'ai fait une série de 4 vidéos, justement, si jamais tu veux commencer saxophone. Alors, la première vidéo, c'est les 8 conseils indispensables pour commencer saxophone. Donc, c'est juste en dessous. Et après, suite à ça, je t'enverrai 4 vidéos où je t'apprends à comment souffler et voilà, et les étapes pour pouvoir jouer bien au saxophone. Ok, donc d'ici là, travaille tes gammes. Travaille régulièrement et tu verras, tu atteindras tes objectifs.